The Last of Us Part 2. Un jeu. Une histoire. Vous ne pouvez pas l'apprendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Alors, tout commence à la fin du premier opus. Joël a assassiné le chirurgien qui pouvait faire un vaccin. Il sauve Ellie d'une mort certaine. Ensuite, il l'emmène et il lui ment. Mais pour lui, l'humanité ne compte pas. Pour lui, Ellie compte. Son frère Tommy, abasourdi par tout ce qu'il entend, lui dira plus tard qu'il aurait fait la même chose. Mais n'oublions pas, le deuxième opus de The Last of Us est concentré sur la haine. Jusque où serons-nous prêts à aller par vengeance? C'est cela que voulait Naughty Dog pour le prochain The Last of Us. Ellie, quant à elle, va découvrir plus tard pourquoi elle a été sauvée. Joël l'aimait et a sacrifié le monde entier pour sa vie. Qu'auriez-vous fait? Après un drame que Ellie va subir, nous allons tous vivre ce sentiment que veut Naughty Dog, la haine, la vengeance. Et plus tard, bien plus tard, nous aurons un avis tout à fait différent de ce qu'est The Last of Us, de ce qu'est la vie. Tout commence un soir, tranquille, Joël et Ellie se parlent. Et nous sommes tous à mille lieues de s'imaginer ce que va être la suite de cette aventure. Tout commence paisiblement. Une discussion banale, avec une guitare entre les mains. Tout a l'air si paisible, si calme. Mais Joël ne lui a toujours pas dit pourquoi elle était encore vivante. Pourquoi elle n'était pas supposée mourir pour sauver l'humanité. Il ne lui a pas raconté le fardeau qu'elle devait endurer. Dis-moi, ce qui s'est passé ici. Tu mens encore une fois. Je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Ça y est, Joël lui a dit. Ellie est au courant. C'est pas vrai.
interdit de me toucher, compris ? Je vais rentrer. Mais tu m'oublies. Quelques années plus tard, Ellie s'en est un temps soit peu remise. Et elle a réussi à se forger une amitié forte avec Dina, Jessie. Elle s'est construite avec cette charge, ce devoir inachevé au final. Mais elle n'a toujours pas pardonné à Joël. Jusqu'à ce qu'elle parte avec Dina faire une patrouille qui malheureusement va dégénérer. Pendant ce temps-là, Joël et Tommy étaient partis en patrouille. Et ils ont été recueillis par des gens. Et comme vous allez le voir, ils n'étaient pas réellement pavés de bonnes intentions. Mais c'est à ce moment même, où on commence à comprendre comment le jeu va se présenter à nous. Salutations amicales, porte qui se claque, la tension monte d'un cran, et sans le vouloir, nous commençons à accepter ce qui va bientôt se produire. Joël commence à comprendre tout doucement ce qui lui arrive. Ça y est, nous commençons à comprendre, le guet-apens est mis en route. Tout va très très vite. Jusqu'au bout, nous sommes en train de se demander, va-t-il survivre ? Va-t-il s'en sortir ? Eh bien, la réponse, nous la connaissons. Joël va subir le pire. À ce moment-là, j'étais en train de sangloter derrière ma manette, derrière ma télévision. Plein de questions se posaient. Qui était cette personne? Pourquoi lui voulait-elle du mal? Et Joël avait l'air de comprendre et de savoir de qui il s'agissait. Cœur battant, je comprends que ce sera la fin pour Joël. Tout doucement, ou plutôt dire très rapidement, le jeu nous arrache un personnage. Un personnage clé, un personnage phare de The Last of Us. Tout va très vite. La tension monte d'un cran. Et jusqu'au bout, j'espère que tout va tenir. J'espère que Joël pourra s'en sortir. Mais malheureusement, il ne va pas survivre. Arrivé sur le lieu, constate et comprend, voit, terrifiée, comme nous tous. Elle ne peut rien faire. Prise, on lui enlève son arme. Plaquée au sol. Je ne comprends plus rien. Et pourtant, je comprends énormément de choses. Ellie
désemparée, voit Joël se plaignant dans son sang. On nous a arraché Joël. J'avais le cœur qui battait. J'avais envie de comprendre pourquoi Joël, pourquoi au début, il me faisait tellement de peine. Voir Joël comme ça, ce n'était pas Joël. Le bâton se lève. Ça y est, la mission, le jeu commence. Ellie vient de perdre Joël, comme Joël a perdu Sarah, sa fille. Violemment, brusquement, avec une petite lueur d'espoir. La haine s'installe tout doucement dans nos têtes. Les Dogs viennent de nous lancer dans une partie interminable de violence. The Last of Us partie 2 est commencé. De retour à Jackson, j'ai encore les larmes aux yeux. Tout comme Ellie, nous avons de la misère à croire que nous avons perdu un père. Nous avons perdu le personnage, l'ADN de The Last of Us, Joël. Tommy arrive pour rendre visite à Ellie. Nous sommes tous ancrés par la haine, la violence et l'envie d'en découdre. Tout comme Ellie, Tommy veut venger son frère. Comment? Où? Ces questions, le jeu lui donnera au fur et à mesure. Mais surtout, qui ira en premier venger Joël? Sera-t-elle Ellie la première à partir, ou Tommy, voulant protéger et préserver Ellie? Maintenant, voyons un peu comment tout a commencé. Au tout début de The Last of Us. Pourquoi Joël est mort? Quelle est la question? Pourquoi Joël est mort violemment? Pourquoi t'as tué Joël? Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargné. Et voilà le résultat. Un vaccin qui sauvera des millions de vies. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Tu demandes mon avis ou t'as déjà pris ta décision? Marlène, je veux que tu sois de notre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités,
Tout ça serait justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Voilà le pourquoi Abby a tué Joël. Voilà pourquoi Abby était animée avec autant de haine et de colère. Tandis que Ellie a tué tout le monde, Abby a tué le seul responsable, Joël. Pour moi, The Last of Us Part 2 va diviser. Thank you.